Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? Moi, espérer nous en forme. Jeudi, c'est lundi, nous vivons et lundi 16 octobre. Permettez-moi de saluer tout le monde qui a fêté et tous les amis auditeurs, toutes les fanatiques qui ont célébré l'anniversaire de naissance. Toute équipe là, nous mettons voix ensemble pour nous souhaiter nos bonnes fêtes, bon anniversaire, bon récolte café. Nami quoi s'inviter nos amis nous merci Dieu moins content pour me capable ensemble avec nous moins porter pour nous une nouveau vidéo d'information avant que nous rentrions dans information principale que nous porter dans vidéo ça parce que nous la presse dans pays ce domaine a mené une bataille et médiatique ensemble avec peuple haïtien nous songe hier frontière était ouvert avec un seul objectif permettre marchand qui gagne marchandise dans marché d'abord n'a permettre yo al pran machandiz yo. Eh bien, nous pas connaît la presse dans pays ce domaine dit haïtien badba que nous résier de nous ouvert frontière pour nous venir acheter dans mais côté gain en pile marchand qui t'al vendre, en pile haïtien rentré à l'acheter. C'est jouet ça ce domaine fait là oui. Mais yo pas bon. Yo pas 6. Vous voyez pas peuple haïtien, yo pas 6. Et gion l'autre jouet t'a encore de connaît et canal là pas camper. Ça pas de négociation dans ça. On monte te met à faire petit complot, jouer en bas table, canala, pape campé. Nous connaissons le gouvernement dominicain de prendre décision, il dit qu'il ne peut pas quitter ciment rentrer dans le pays ce domaine. Il ne peut pas quitter fait, clou, et tout ça qui est capable de servir dans la construction, il ne peut pas quitter rentrer ce domaine pour ne pas finir le canal là. Eh bien, Pepe Aïssan dit, whatever chaque passe la fini. Est-ce que nous ne connaissons pas Dominique pour une vidéo? Une vidéo pas nous dans le canal là. Yo dit comme étant yo fermé frontière nous pas gain sim nous pas un sim encore yo dit c'est terre nous prend nous mélanger terre ensemble avec sand dit fait pour nous poser bloc c'est ça bon pas le faire nous parce que c'est juste pour capable minimiser nous pour capable présenter à peuple dominicain et le monde entier pour montrer qui gens nous misérables qui gens que n'a vivre dans misère qui gens que nous mêmes nous soyons peuple primitif, c'est ça qu'il a fait. Puis il a essayé d'écraser moral peuple haïtien, mais yo même yo pas compte qui ça caille, yo pas compte qui ça qui vrai haïtien. Haïtien nous haïtien qui a dormi jodi a. A dormi malgré tout ça, l'état a fait, l'état pas dirigé un groupe nèg dans l'état, c'est volo, y a volo, yo pas construit rien dans pays a qui vienne cause jeunesse là obligé c'est dans l'autre pays. Pour y aller pour une déception tant la République dominicaine. Parce que le peuple a dormi, il doit penser que c'est bout de peuple haïtien. Et ça fait map dit peuple haïtien, réveillez-vous. Réveillez-vous pour nous prendre ce pays nous en main. Pour nous suspendre. Pour humiliation. Pour nous suspendre. Faire d'encentir la vie dans nous sous nous. Avant, puis vous avez l'homme non haïtien. Puis vous avez cherché 17. Bon, je ne vais pas venir dire mot là, parce que je dois démoraliser face à type de monde ça là. Mais quelques barèm te ka dire pour me résumer tout ça me devle dire pour ne pas dire ça ka sa ol te di bef là. On a regardé qui propagande nèg yo a fait sous donon et puis après n'a venir ensemble avec nouvelle principale que nous porter dans vidéo ça. Ay, 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 miren esto, señores. No están recibiendo el cemento, los haitianos. Y miren lo que están haciendo. Siguen construyendo con ceniza y lodo. Mírenlo ahí, eso es lodo que ellos están utilizando. Bueno, señores, ni Albert Einstein, el final de los muñequitos. ¿Ustedes escucharon eso, señores? Usando lodo con ceniza para no detener el canal, pegando bloque con lodo y ceniza. Pero, señores, analizándolo bien, pero es verdad. ¿De qué que hacen el cemento? Es de roca que la muelen y la vuelven como así, como si fuera polvo y luego la meten en un horno. Ah, entonces la ceniza es así, como algo así, como de horno o de fuego. Ah, esta gente me dieron buena idea. Ahora le voy yo a echar plato a la casa mía, señores. Pongan eso a prueba. Lo que sí es, vean eso, señores, lo que dice este nacional. Est-ce que nous avons des types de propagande Dominique a fait sur nous? Est-ce que nous ouais? Et ça fait map dit nous tout caler genou. Caler genou pour nous capable prendre destin pays en main parce que moi nous tout a dormi là. Malgré gros mouvement ça que n'a mené là, moi Ariel pas ta de gain dormi dans jeu.
Nous quitter Ariel bien à l'aise, pas de rien qu'a fait, nous tout nous sentir nous bien dans pays à Ariel Henry confortable, hein. Ah mes amis, non trop passif, n'allez trop loin avec passivité non. Et on a regardé qui ça Dominique a dit après que Frontier a été fait ouvert, il a dit bon nous accepter nous bat et nous venons enregistrer et gens ça doit fait parce que et Dominicain c'est les mêmes qui fait qui mettent norme nous c'est posé régie de loi de norme yo et aussi tellement connaît c'est menti qui a fait que c'est pas ouvert nous vers frontière vrai pour nous venir faire commerce ensemble avec yo yo fait connaît yo t'a souhaité bagay yo pas camper on va le suivre. Ustedes están viendo es el proceso que ha estado diseñado por parte del gobierno. Ya los haitianos hoy han aceptado cumplir con el requisito de registrarse con el sistema biométrico. Y eso es lo que está pasando hoy, que todo está marchando bien. Esperemos que no haya ningún tropiezo con el proceso. Y nada, y como tú ves, el comerciante tiene sus puertas abiertas ya para servirle a los amigos haitianos que quieran comprar desde hoy. Y en eso estamos. Aquí. ¿Por quién fue motivado, mediante qué fue motivado esta apertura en el día de hoy? Mira, nosotros reunidos con nuestros hermanos haitianos, los del sector comercio y el cuerpo consular, meramente le hemos insistido en la necesidad que tiene el pueblo haitiano, pero también los comerciantes dominicanos, por la razón de que ellos nos comentaban que no es un secreto para nadie que ellos tienen mayoría de los cubículos de este lado llenos de mercancía. Entonces ellos nos expresaban que sus mercancías se están pudriendo, que se van a dañar. Entonces ahí es de agilizar el proceso para que las cosas comiencen a fluir y se normalice todo. A pesar de ciertas diferencias que ellos nos han dicho que tienen, inclusive tenemos una mesa de diálogo donde ellos tienen un listado de una serie de casos que les exigen al Estado Dominicano, pero le hemos dicho que en esta situación lo que estamos insistiendo es en el comercio, o sea, estamos haciendo todo lo posible porque todo fluya a nivel comercial.